Bonjour et bienvenue à votre émission préférée Tequila. Aujourd'hui, je suis toujours votre animateur favori, Amine, et nous allons recevoir William Veilleux, qui est C'est un moi. grand fan de sport et qui va nous parler aujourd'hui de sa passion. Bonjour William. Bonjour Amine. Alors, William, dis-nous, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours un petit peu sportif? Ouais, dans le fond, pour commencer, ma famille, c'est vraiment une famille sportive. On a toujours fait du sport depuis qu'on est tout petit. Ils nous impliquent dans des sports. Mes parents, depuis tout petit, eux autres aussi, ils faisaient du sport. Donc, on est vraiment axé sur le sport. Puis, dès l'âge de 3 ans, mes parents m'ont inscrit au soccer. Avec l'équipe, je pense, c'était l'équipe Timbits, quelque chose comme ça, là. Puis j'étais gardien de but, puis ça marchait pas trop. J'étais plus du genre à jouer avec le gazon, jusqu'à temps que mon père me crie « le ballon, il arrive ». Donc ça marchait pas trop, tu sais. Fait que quand ils ont vu que ça marchait pas, ils ont décidé de m'inscrire au karaté que ma soeur faisait. Puis là, ça a vraiment été le déclic total. J'ai tombé en amour avec ce sport-là. Tu sais, ça m'a permis de faire des compétitions au niveau autant provincial qu'international. Je me suis même rendu au championnat du monde en Croatie. Donc, j'ai fait beaucoup de niveaux. La seule affaire, c'est que c'est un sport d'hiver. Fait que l'été, ben, j'avais beaucoup d'énergie, puis que je pouvais pas dépenser parce que j'avais pas de sport. Puis ça l'a donné quand j'avais 6 ans, 2010 environ, il y a une piste de BMX qui a été construite juste à côté de chez nous. Pour ceux qui savent pas, c'est comme un peu une piste de motocross, mais à vélo. Fait que c'est ça. Puis mon père, il m'a amené, il m'a montré ça. Puis là, encore là, j'ai capoté. J'étais comme, ben là, c'est bien trop cool. Tu fais des jumps à vélo. Tu sais, c'est la meilleure affaire quand t'as 6 ans de faire des jumps à C'est vélo. un grand Fait plaisir, que ouais. c'était. Là, j'ai eu le déclic, j'ai adoré ça. Puis encore là, j'ai pu monter niveau puis prendre loin. Ben c'est incroyable, tous ces sports-là, comme des arts martiaux, du BMX, mais parmi tout cela, comment est-ce qu'ils ont influencé ta vie, tous ces sports? Je te dirais que le sport qui m'a influencé le plus, ça a été le karaté. Ça a été le sport qui m'a challengé le plus, autant au niveau mental que physique. Tu sais, c'était des grosses compétitions, c'était beaucoup de gérer le stress, puis en même temps, gérer l'école avec le. Ça a vraiment été challengeant. Tu sais, j'ai pleuré pendant les compétitions, c'est vraiment été comme une grande épreuve, le karaté, puis ça m'a vraiment fait grandir. Donc c'est vraiment le karaté qui t'a le plus influencé. Ouais. Puis comment est-ce qu'ils ont aidé à te développer ces sports-là? Bien, dans le fond, de la manière qu'ils m'ont développé, ça a vraiment été comme au niveau de gestion de stress puis de mon organisation. Tu sais, j'ai pas le choix d'être capable de gérer mon stress. Je peux pas être stressé en compétition parce que là, je vais faire de quoi de wrong ou quelque chose. Il faut vraiment comme, être calme puis être serein. Ça m'a aussi permis d'avoir vraiment comme apprendre à apprendre, je te Ok. dirais. Tu sais, d'être capable d'accepter que si tu fais quelque chose, c'est pas bon. Ça, le karaté me l'a vraiment appris puis c'est grâce à ça aujourd'hui que je suis capable de genre. Si quelqu'un me dit « Ah, fais pas ça », ben, je vais pas chialer back. Ben oui, je Fait que c'est comprends. vraiment de cette manière-là. Mais du coup, est-ce que tu pratiques encore ce sport? Je pratique encore le BMX, mais de manière récréative. Je fais plus vraiment de compétition à cause ben, l'horaire, le social. Ça fait que je m'entraîne moins, fait que mon niveau, il baisse, puis les autres, ben, ils continuent d'augmenter. Donc, j'en fais de manière récréative. Puis le karaté, j'ai arrêté malheureusement pour me concentrer avec l'école. Ah, je comprends. Ça prenait quand même beaucoup de temps. C'était 6 à 7 pratiques semaine, plus l'école, puis j'ai de la difficulté à l'école, donc j'ai priorisé l'école à la place. Ben, c'est sûr que du coup, les sports, ça doit rester une activité en Ouais. parallèle. Puis, pourquoi pas, ce serait un plaisir de participer à une de Ben tes ouais. sessions de BMX. Ben ouais. Et du coup, je voulais savoir s'il y avait un sport aussi que tu aimerais pratiquer en plus, un seul sport. Un sport que, ben là, je commence à pratiquer, c'est le snow, le Ok, snowboard. le snowboard. J'ai commencé à le pratiquer. Mais du coup, malheureusement, c'est tout le temps que nous avons pour aujourd'hui. Merci beaucoup, William, de nous avoir parlé de ta passion. Ça fait plaisir. Pour la prochaine émission, nous allons recevoir Félix Aubin, qui va nous parler de sa passion pour la production télévisuelle et d'autres passe-temps aussi qu'il a. Et du coup, restez avec nous pour l'émission Tequila, et elle reprend tout de suite après cette courte pause. Merci beaucoup. T'as bien joué, Ray. J'espère qu'il avait coupé le micro. T'es juste dans le fond. T'as bien joué. Ok. Mais t'as bien été, même. Là, j'ai rajouté une petite.